Offrez-moi SVT, SVP. Théma le rat. Théma le rat dans le chat qui veut qu'on lui offre un sub, mais abonne-toi, frère. D'ailleurs, que penses-tu des sondages? Écoute, ça tombe bien que t'en parles, parce que figure-toi que regarde un article sur le sujet. Putain, mais il est incroyable ce stream. Moi, je vais claquer mon prime. Hein. Élection présidentielle 2022, les sondages juges de paix de la pré-campagne. Départage entre candidats, rapport de force, émergence de personnalité. Les primaires étant déjà passées de mode, les enquêtes d'opinion sont devenues le principal arbitre de la vie politique. Ce sont à la fois les arbitres et les stars incontournables de cet automne, les instruments par lesquels la plupart des familles politiques opposées à Emmanuel Macron entendent déterminer leur leadership pour l'élection présidentielle de 2022. À 6 mois du premier tour, les sondages occupent une place prépondérante dans la campagne présidentielle, avec un risque, celui de créer des bulles sondagières surestimant certains scores, disqualifiant d'autres candidats et influençant ainsi le vote des Français. Le contexte est inédit et marque une sorte de retour en arrière. Seuls les écologistes ont désigné leur candidat par le truchement d'une primaire ouverte. C'est plus à la mode les primaires, y a que les écolos qui en ont fait une. Les autres formations ont en effet abandonné cette méthode, prenant ainsi le contre-pied du scrutin présidentiel de 2017, où ce mode de décision avait été adopté non seulement par Europe Écologie Les Verts, mais aussi par le PS et par les Républicains. Ces deux familles politiques ont gardé un souvenir amer de cette expérience. En l'absence de primaires ou d'autres systèmes, alors que les partis sont affaiblis dans l'opinion et ne peuvent plus porter à eux seuls une candidature, les sondages sont désormais devenus les maîtres étalons pour juger la personne la mieux placée. À ce petit jeu des prédictions, la gauche ne cesse d'observer ses thermomètres de l'opinion. Parfois au jour le jour, avec pas moins de 7 candidats sur la ligne de départ, les intentions de vote sont au centre de toutes les attentions. Leurs moindres oscillations sont guettées pour peser dans les rapports de force et entraînent des retraits derrière le mieux placé. Le premier match sondagier concerne la candidature du Parti Socialiste, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Les deux sont au coude à coude, mais la maire de Paris décroche depuis 2 semaines. Les écolos ne cachent pas leur volonté de pousser leur avantage pour obtenir un retrait de la candidature de Madame Hidalgo. Au PS, on se rassure comme on peut. Je ne crois pas au sondage, martèle le premier secrétaire Olivier Faure. Laurent Baumel, secrétaire national aux relations extérieures du PS, reconnaît que la question du sondage pèsera dans la perspective d'un rassemblement socialo-écolo. La seconde bataille où les enquêtes sont brandies en étendard est celle du vote utile à gauche. Les cadres de la France Insoumise, sur la base d'une succession d'enquêtes Harris Interactive, plaçant Jean-Luc Mélenchon entre 11 et 13% des intentions de vote, estiment être en passe de pouvoir se qualifier pour le second tour, puisqu'avec la dynamique autour d'Éric Zemmour et la division des voix de l'extrême droite, le ticket d'accès se situe actuellement autour de 16% ou de 17%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le scénario d'une candidature à gauche au second tour n'est pas exclu. Il ne cesse donc de plaider pour le rassemblement dès le premier tour autour du candidat des Insoumis. Donc ça déjà c'est pour la gauche. Chose importante, quand on dit que les sondages deviennent les juges de paix de l'élection présidentielle, etc., en tout cas actuellement dans cette pré-campagne, c'est pas uniquement à cause des méchants médias et des méchants observateurs politiques, etc. Les candidats eux-mêmes passent leur temps à en parler. Jean-Luc Mélenchon, j'ai regardé une de ses revues de la semaine sur sa chaîne YouTube, il a passé plus de 10 minutes à parler des sondages. La question du fait que les sondages traitent les rapports de force entre les candidats, c'est pas que du point de vue des médias et de l'influence de l'opinion publique. Pas seulement, c'est les candidats eux-mêmes qui s'en servent matin, midi et soir. Je dis ça parce qu'on s'était fait engueuler parce que sur la dernière émission Backseat, j'ai parlé des sondages au Bono et que du coup, il y a des gens qui m'ont dit ouais, Jean, pourquoi tu parles des sondages, c'est trop de la merde. Et en fait, j'aurais dû préciser en parlant à Daniel Obono, mais si je vous parle des sondages, madame Obono, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon passe son temps à en parler en ce moment. C'est une sorte de primaire qui ne dit pas son nom. Exactement, très bien dit, c'est exactement ça. C'est une primaire un peu en loose day, les sondages. Hein. Chez leurs adversaires de droite, l'obsession des sondages est peut-être encore plus forte. Les Républicains sont dans une situation compliquée. Personne entre les 6 candidats à la candidature ne semble se dégager ni s'imposer aux autres. Le parti a finalement décidé. Ce seront les militants qui voteront le 4 décembre pour départager les candidats. Ces derniers espèrent bien que les enquêtes d'opinion influenceront le vote des adhérents. Ainsi, pour plaider en faveur de sa candidature, M. Bertrand brandit régulièrement les sondages, comme preuve de sa pole position. Bah oui, il fait exactement pareil que Mélenchon. Ses adversaires utilisent quant à eux les mêmes sondages pour montrer que personne ne s'imposera aujourd'hui à droite, que M. Bertrand plafonne à 15%. Les partisans de Mme Pécresse n'hésitent pas à citer en exemple d'Alain Juppé, favori des intentions de vote à la rentrée 2016, puis largement défait par François Fillon. C'est intéressant parce que je sais pas s'il va en parler dans l'article, mais je rappelle quand même qu'il y a même eu un moment où le Parti des Républicains ont proposé que ce soit un institut de sondage qui départage les candidats. C'est pour ça que quand vous me dites c'est une primaire qui dit pas son nom, ça va même plus loin que ça. C'est qu'il y a certains partis qui ont envisagé à un moment d'en faire un outil de départage. À l'extrême droite, Marine Le Pen est quant à elle confrontée pour la première fois à une chute brutale et prématurée de ses courbes. Éric Zemmour semble séduire nombre de ses électeurs potentiels, à tel point que se pose la question du leadership chez les nationalistes. Une situation inédite pour le Rassemblement National qui a toujours écrasé ses concurrents directs, comme ce fut le cas pour Bruno Maigret lors de la présidentielle de 2002. Je rappelle qu'à la fin des années 90, il y a eu un schisme au sein du Front National, que Bruno Maigret, qui était le numéro 2 du FN, s'est barré, il a créé son propre parti politique qui s'appelait le MNR, qui était un concurrent direct de Jean-Marie Le Pen, et qui s'est fait écraser la gueule par Jean-Marie Le Pen en 2002, donc il n'y a plus de concurrence. C'est vrai que le RN, depuis la fin des années 90, le RN n'a jamais eu de problème avec des concurrents directs. Il les a toujours écrasés. Et là, pour la première fois, le RN
Pen se retrouve dans une situation où il y a un concurrent direct. Pour l'instant, Marine Le Pen ne réagit qu'avec flegme. Jeudi 7 octobre, à Clermont-Ferrand, elle a assuré ne pas avoir d'inquiétude après la publication du sondage Harris Interactive qui place Éric Zemmour devant elle au premier tour. On a atteint un niveau inédit d'importance des sondages dans les déterminants de l'offre politique, reconnaît Emmanuel Rivière, directeur international pour Kantar Public. Il y a un risque, car il y a un trop grand décalage entre ce que l'on veut faire dire aux enquêtes et ce qu'elles sont capables de dire à 7 mois de l'échéance. Donc même les sondeurs reconnaissent qu'il y a une disproportion, il y a un problème. Il est vrai que les exemples ne manquent pas de sondages mettant haut les candidats qui finalement réalisent un score décevant. En 95, Balladur était ainsi crédité de plus de 30% des voix en janvier pour un score final de 18,5%. Pour 2002, Chevènement était testé à 12% en octobre 2001. Pour un résultat final de 5,3%. Surtout le Premier ministre socialiste Lionel Jospin était donné comme qualifié au second tour, ce qui a permis une dispersion des voix à gauche, expliquant en partie la qualification de Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Dans une tribune publiée par Libération, les universitaires et spécialistes des sondages Alexandre Désé et Michel Lejeune rappellent que si l'on se base sur les sondages réalisés par l'IFOP et la Sofres 6 mois avant les élections présidentielles de 65 à 2002, les résultats publiés n'ont correspondu aux résultats réels que dans 2 cas sur 16. À ce stade, les personnes interrogées sont évidemment encore très incertaines en ce qui concerne leur éventuelle participation à l'élection présidentielle, mais également sur le choix de leur candidat. Le risque est donc bien de créer des dynamiques politiques factices ou au moins exagérées à un moment décisif, celui de la désignation des candidats. Le schéma est connu, un sondage donne un résultat surprenant. C'est repris par une grande partie des médias, créant ainsi un fait politique autour duquel le débat s'articule pendant plusieurs jours. C'est ce que beaucoup dénoncent autour des enquêtes, plaçant Éric Zemmour aux portes du second tour avant que le polémiste, dont la dynamique est indéniable, d'autant qu'il ne s'est toujours pas déclaré candidat officiellement. On est sur un emballement dont l'origine se trouve dans les sondages, souligne M. Rivière qui nuance la comparaison avec 95 et 2002. Entre-temps, l'affiliation partisane a dégringolé. Il y a une plus grande volatilité, donc une plus grande influence des sondages. Ils sont désormais un rôle d'arbitre. La responsabilité pour les instituts qui réalisent ces enquêtes et les médias qui les reprennent est d'autant plus grande. C'est assez intéressant cette analyse et surtout cette conclusion qui fait reconnaître qu'il faut faire un lien entre l'importance que jouent les sondages aujourd'hui et l'effondrement des appartenances partisanes. Il y a une grande volatilité du vote qui fait que les gens sont indécis. Ils sont indécis sur deux trucs en plus, qui compliquent encore plus le truc. Ils sont indécis sur le fait de savoir s'ils vont aller voter ou pas. Il y a un fort taux d'abstention et il y a plein de gens qui savent pas du tout s'ils vont aller voter ou pas et qui vont se décider que la veille hein, pour beaucoup d'entre eux. Et deuxième chose, il y a une volatilité aussi sur le vote. Il y a plein de gens qui n'ont plus d'appartenance, qui n'ont pas d'appartenance partisane comme par le passé, pour qui le jeu est très très ouvert. Ils sont capables de voter Mélenchon, Macron, je sais pas, je verrai, peut-être un des deux, ou alors peut-être Zemmour, je sais pas. Enfin, vous voyez, un truc très 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 volatile. C'est la chute des partis politiques et de leur structuration, des modèles idéologiques et surtout des comportements électoraux qui explique que les sondages ont pris un rôle aussi important aujourd'hui. La démocratie est fragilisée un peu. Oui, le seul truc que j'essaye de vous dire, c'est que l'importance des sondages aujourd'hui est davantage le symptôme d'une dérégulation de notre paysage politique, plutôt que le déclencheur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus la conséquence que la cause. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les sondages jouent un rôle important alors qu'on est encore dans une phase de la présidentielle, ce qu'on appelle la pré-campagne, qui est une phase de sélection des candidats. J'ai pas de souvenir de bons sondages, même en 2017. Ça dépend de ce que tu lis dans un sondage. C'est exactement ce que dit d'ailleurs le sondeur hein, dans l'article. Il dit le problème des sondages, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Il y a un trop grand décalage entre ce que l'on veut faire dire aux enquêtes et ce qu'elles sont capables de dire. Si vous pensez qu'un sondage prédit l'avenir, vous êtes certain de vous planter. Ils ne prédisent pas l'avenir, mais ils disent quelque chose. Voilà. Tout ce que je peux vous dire.